Fausto a dormi. J'ai comparé avec la douille qui était à côté du gamin, c'est l'arme du crime. Il y avait même son vélo là-bas. Se faire tirer dessus pour un vélo, c'est l'absurdité. Salut. Je vous ai laissé plusieurs messages. Oui, je n'ai pas vérifié ma boîte vocale, je suis désolé. Vous êtes en suspension administrative, vous devriez tranquillement vous reposer chez vous. Oui, j'ai essayé. Seulement, je n'arrête pas de revoir la scène où Belle s'est fait tuer. C'est compréhensible. Si je suis venue vous en parler, c'est parce que je pense que peut-être il est possible que je l'ai tuée. Sophia, vous savez que nous ne devrions... C'est un détail dont je me suis souvenue au moment de faire ma déposition. Donc c'est enregistré. Non, justement, j'en ai pas parlé. Sophia, écoutez-moi. Belle était postée entre moi et les quatre suspects. Et je tirais par-dessus sa tête, ce qui constitue une faute grave d'après le règlement. Mais je voulais... Je n'ai fait qu'essayer de rester en vie. Mais s'il s'avère que... Jean, est-ce que je peux vous poser une question? Sophia? Vous avez été suspendue? Oui, je sais. Vous ne devriez pas être dans ce bureau. Je ne faisais que discuter avec un ami. Si c'est interdit de discuter avec des amis, je peux parler à qui? N'importe quel ami qui ne fait pas partie de la police. Vous en avez beaucoup des amis qui ne font pas partie de la police, vous. Je devrais en parler à ma mère. Ah oui, quelle idiote je fais. Elle aussi, elle est policière. Il y a des psychothérapeutes qui pourraient vous aider. D'accord. Vous avez raison. J'aurais pas dû venir, je suis vraiment désolée.